BX1 Plus. 12h-14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et on va aller au théâtre maintenant avec une pièce qui sera jouée au théâtre Le Public, qui s'appelle La Solitude des Mammouths, du Mammouth, pardon. C'est une pièce écrite et interprétée par Geneviève Damas qui est dans ce studio. On va avoir un petit aperçu tout de suite, on la retrouve juste après. Il ne faut pas toujours être logique dans la vie. Ce n'est pas en étant gentil que l'on récolte de la gentillesse. Nous y voilà! Il y a des tas d'exemples où quelqu'un est très méchant, très très, et les autres deviennent très gentils avec lui. Bon, ça vous embouche un coin. Hein. Bien sûr, cela ne me le rend pas. Ni toutes ces années passées à me sacrifier pour ma part de bonheur. Cette part qui m'a été soudain enlevée, volée, raptée par une petite cruche qui n'a pas encore eu le temps de voir la cellulite lui courir sur l'estomac. Mais attends voir ce que tu vas voir. Bérénice n'en est pas à son dernier tour. Et donc, j'appelle Abdoul, un ami de maternelle. Abdoul est albanais. Même s'il porte un prénom qu'il n'est pas. Non mais c'est toujours bien d'avoir un ami albanais, moi franchement je le recommande. Ben, ça vous ouvre les portes des boîtes de nuit, ça vous fait les déménagements, ça remet de l'or dans les bagarres, ça désosse le poulet en deux coups de cuillère à peau. Ça fait pas dans le détail, j'en conviens, mais quand c'est fait, c'est bien fait. Hortable. Voilà un petit extrait, quelques petits extraits de La Solitude du Mammouth de Geneviève Damas qui sera donc joué à partir de ce soir à nouveau au théâtre Le Public. Geneviève Damas, bonjour. Bonjour. Le mammouth, c'est un animal qui a autant de mémoire qu'un éléphant, mais dont le cuir est plus solide? Oui, et dont on peut tout utiliser, les longs poils aussi, ouais. Les défenses, enfin comme les éléphants bien sûr, mais oui, mais qui nous a quittés évidemment, donc... Voilà, ça m'interrogeait, il y a une œuvre de Joseph Beuys qui montre une ombre de mammouth et il y a toujours, évidemment, chez Joseph Beuys, il y a toujours ce décalage, on ne sait jamais s'il est tout à fait sérieux ou s'il rit. Il y avait un petit mouchoir à côté de cette ombre de mammouth où il dit c'est pour sécher les larmes des humains causées par le chagrin de n'avoir pas connu ces grands animaux que nous devons tant. Et cet homme m'a assez fort marqué et donc voilà, j'ai eu envie d'écrire un spectacle autour de ça. Vous êtes rancunière dans la vie? Dans la vie, pas souvent. J'aime bien dire les choses, une fois qu'elles sont dites, ça passe, c'est fini. Ouais. Votre personnage, donc c'est un seul en scène, hein. Vous êtes toute seule sur scène et vous racontez l'histoire d'une femme qui est trompée, trahie, que son mari quitte pour une plus jeune. Et elle a le goût de la vengeance. Oui, en fait, je voulais interroger le mythe de Médée. Alors, oui, effectivement, je ne suis pas rancunière dans la vie, même si j'ai de la mémoire. Mais c'est bien le théâtre, on peut y faire ce qu'on ne fait pas dans la vie. C'est votre catharsis. Voilà, c'est pas mal. Non, j'avais envie d'interroger ce mythe-là, parce qu'on dit que les mythes, ils fondent nos cultures. Et en fait, le mythe de Médée, c'est une femme qui est trompée, et puis qui assassine sa rivale, et puis qui tue ses deux enfants. Et elle repart impunie vers les cieux. Enfin, si je fais ça aujourd'hui, c'est voilà, je vais direct à la case prison. Et donc j'avais envie de m'interroger sur une femme qui agirait comme Médée, mais qui repartirait impunie vers les cieux. Alors elle va pas tuer sa rivale, elle aura une vengeance un petit peu plus subtile, mais qui est quand même terrible et qui va s'égrener sur la durée. Vous avez quand même de l'imagination. Ouais. On va pas tout raconter. J'en raconte une. L'homme chéri, il a un scooter. Oui. Ouais. Et elle va découvrir, parce qu'elle se documente beaucoup, hein, elle lit beaucoup sur la vengeance, sur la théorie, et elle fait beaucoup de recherches sur Internet. Et elle découvre qu'il y a une couleur que les pigeons aiment beaucoup et sur lesquelles ils aiment beaucoup déféquer. Elle va offrir un équipement, c'est un casque, hein, je crois. Un protège-jambes, ouais, et un polar, voilà, parce qu'elle ne regarde pas les dépenses. Pour son homme, qui n'est plus tout à fait son homme, mais de la couleur que les pigeons aiment bien. Voilà, oui, elle va aussi mettre quelques substances sur ce qu'elle offre, qui attire évidemment les pigeons, parce qu'elle s'est renseignée évidemment sur les pratiques des colombophiles. Ouais. Elle va un peu l'empoisonner aussi, enfin lui faire avoir des crampes d'estomac. Oui, c'est ça. Il y a une forme de jouissance dans cette manière, quelque part, de détruire. Et à la fois, elle ne parvient pas à réparer la souffrance initiale, qui est l'abandon. Ça veut dire que, ok, elle se venge, mais l'homme ne revient pas. Et donc, c'est aussi la question de... Jusqu'à quel point on est victime, jusqu'à quel point on devient bourreau. Ouais. Est-ce qu'on peut guérir d'une blessure d'amour? Je crois qu'on peut... Ou est-ce qu'on la porte toujours en soi et puis on fait avec? Je pense qu'on la porte toujours en soi, mais je pense que c'est pas inintéressant.
J'avais un professeur de théâtre qui disait « Je vous souhaite à tous un grand chagrin d'amour ». Quand elle nous l'avait dit la première fois, on s'était dit « Mon Dieu ». Mais je pense que ça permet de comprendre certaines choses. Ouais. Vous avez toujours le plaisir à le jouer, ce spectacle ? Parce que là, vous le reprenez au Théâtre Le Public. Vous l'avez joué la saison dernière au Théâtre des Martyrs. Et oui. C'est la troisième saison. C'est la troisième saison. Que vous le jouez. Est-ce que vous le jouez toujours avec autant de plaisir ? Est-ce qu'il reste un texte aussi personnel que la première fois ? Ou est-ce que vous vous en détachez petit à petit ? Oui, alors... Je le joue toujours avec autant de plaisir, mais ce qui est intéressant, c'est de continuer à essayer d'avancer comme comédienne, donc d'essayer de trouver un naturel qui soit vraiment un jeu cinéma et de refaire cette première fois. Parce que c'est particulier quand on est l'auteur et l'interprète en même temps, c'est-à-dire qu'on est dans une très grande proximité, vous n'avez pas la distance que pourrait avoir un interprète qui ne serait pas l'auteur. Oui, c'est sûr. Heureusement, il y a un metteur en scène et un regard extérieur. C'est Emmanuel de Coninck. Voilà, c'est ça. Et pour les représentations publiques, il y a aussi l'aide d'Isabelle de Fossé qui vient faire des notes et ce qui est très intéressant. Ce qui est fou, c'est que je découvre de nouvelles choses. Je découvre son rapport à l'éducation. Je découvre aussi la part sombre de tout ce qu'elle a perdu, en fait, et qui ne reviendra pas. Donc, cet amour première fois, et puis, OK, elle va passer à d'autres amours, mais ce ne sera plus la première fois, ce ne sera plus l'innocence de l'absolu. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Non, et puis, ce qui est chouette, c'est les échanges avec le public. Parce que ce n'est pas qu'un tir groupé d'une femme contre les hommes, parce que ça, c'est plutôt le fait de... La perte des illusions, ouais, de croire que si... Et la pulsion aussi qu'on doit faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. C'est-à-dire qu'on doit rendre le coup qu'il nous a porté. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a moyen de cette pulsion-là, d'en faire autre chose. Ouais. Est-ce que ça dit quelque chose de la condition des femmes dans notre société ? L'histoire de Bérénice. Hein, Bérénice, c'est le nom de votre héroïne, qui a beaucoup sacrifié pour sa vie de couple. Ils ont des enfants, ils les ont élevés ensemble. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour que l'homme, lui, puisse écrire. Vous décrivez un fonctionnement très patriarcal, quand même. On est toujours là-dedans, en 2020. Alors, je pense que ce n'est pas ce qui a été... dit explicitement à Bérénice, mais je crois que tacitement, elle s'est conformée à un modèle ancestral en pensant que c'était juste. Ça veut dire que ce n'est pas ce que son mari lui a explicitement demandé. Parce qu'on est dans un milieu intellectuel. On est dans un milieu intellectuel. C'est des universitaires. Des universitaires, où elle fait quand même une certaine carrière, peut-être moins brillante que son mari, elle aide son mari, parce qu'elle pense aussi que ce sera la manière pour elle de réussir sa famille. Elle n'a pas beaucoup interrogé les modèles. Et en fait, c'est aussi, je trouve, l'émancipation intellectuelle d'une femme, ce qui se passe. C'est une femme qui prend sa vie en main, qui prend sa colère en main, alors qu'avant, on sent quand même qu'elle s'est mise dans le sillage d'un homme. Mais elle a choisi elle-même. Alors, je ne sais pas si elle est tout à fait libre, est-on tout à fait libre, mais j'ai l'impression qu'en fait, l'histoire des femmes, et peut-être des hommes aussi, c'est qu'on reçoit implicitement des schémas qu'à un moment, il appartient de faire craquer. Et elle est dans la quarantaine, et à 40 ans, ça craque. Et on verra qu'à la fin du spectacle, elle est beaucoup plus libre. Alors, est-ce que ce qu'elle fait est juste ? Ça, le spectateur peut en juger. On va pas donner la fin. Mais en tout cas, elle ne se conforme plus à une norme sociale qu'elle n'a pas éprouvée. Alors, on est très sérieux ce midi. Je voudrais quand même dire qu'on rit dans la solitude du mammouth et qu'il y a quand même des moments un peu plus légers, un peu plus ludiques que ça. On va tourner une page de pub et on retrouve Geneviève Damas avec un petit extrait de la solitude du mammouth juste après. BX1 Plus. Toujours plus d'actu. Et quand il m'a dit « Bérénice, j'ai rencontré quelqu'un », comme le mammouth, j'ai senti la terre se refroidir, quelque chose qui vous paralyse insensiblement. Au début, je me suis dit, ça va aller, j'en ai déjà vu des vertes et des pas mûres, comme le mammouth avec tous ses poils, toute sa graisse, rien ne peut m'arriver. Et j'ai pensé, Béré, il faut que tu restes digne, Brice a quelque chose à te dire, quelque chose d'important, tant qu'il y a des mots, il y a de l'espoir. Et comme le mammifère du Pléistocène inférieur, je suis restée là, immobile, souriante, stupide, à croire que j'allais m'en sortir. Regardons Brice me parler de Mélanie, cette jeune étudiante de 22 ans, si prometteuse, si sympathique. Mélanie, qui était même venue garder nos enfants un soir, si fragile, si douce, si douée, parce qu'elle était tellement intéressée par les recherches de mon mari. Et mon mari parlait, moi j'entendais rien. Je voyais plus que les mammouths qui vacillaient, se couchaient dans une neige où personne ne les pleurait jamais. Et donc Brice s'est levé, s'est dirigé vers la chambre, en est sorti quelques minutes plus tard avec une valise, a marché vers la porte et l'a refermée. J'ai beaucoup pleuré et puis un jour j'ai arrêté. J'ai arrêté de rester figé, j'ai arrêté de soupirer, j'ai relevé la tête et j'ai dit « ça ne peut plus continuer ». Enfin, c'est pas vraiment ça que j'ai dit, ça ressemblait plutôt à un cri préhistorique du type « putain de bordel de dieu de merde ».
pour les mammouths, pour le froid, pour le silence, pour le mensonge, pour la fausse blonde de 22 ans, avec les guiboles comme ça et les lolos comme ça, tu vas voir, mon ami, je vais te donner une profitable leçon. Une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Voilà, l'annonce de la vengeance de Bérénice contre son mari qui est parti avec une jeune... Vous l'appelez là une cruche? Il n'y a pas beaucoup de... Je dis la cruche? Ouais. Je l'appelle mélanome, beaucoup dans le spectacle. Il n'y a pas beaucoup de solidarité féminine, en tout cas. Elle n'attire pas votre sympathie, au début. Non, elle n'attire pas la sympathie de Bérénice, mais Bérénice se montre tout à fait charmante avec elle. Oui, je pense c'est machiavélique que... un petit peu, quand même, ce charme. Oui, hein. C'est ça. Ouais. Vous êtes romancière aussi, hein. Vous avez reçu notamment le prix Rossel en 2011, hein, si je ne me trompe pas. Oui. C'est quoi l'objectif de Geneviève Dama? C'est plutôt de jouer ou c'est plutôt d'écrire aujourd'hui? Alors, l'écriture, c'est une part très importante de ma vie, donc c'est clair que voilà, j'écris tous les jours. Maintenant, ce qui est formidable dans le théâtre, c'est qu'on est dans la rencontre directe avec le spectateur. Moi, je travaille quand même sur la langue orale. Et donc, je trouve que c'est une manière de sortir de sa tour de verre, de son espace fermé. Je trouve que ça permet... C'est la parole adressée, le théâtre. Le roman, c'est la parole qu'on a dans la tête, qui ne se dira jamais. C'est aller au cœur des choses, à l'intérieur. Le théâtre, c'est une parole plus politique, plus sociale. Ouais. Vous réécririez La solitude du mammouth aujourd'hui? Vous le réécririez de la même manière ou vous le changeriez? Est-ce que vous avez envie parfois de changer le texte? De l'améliorer, de l'amender? Ou est-ce qu'il est écrit une fois pour toutes et on ne peut plus y toucher? Un auteur, il ne touche plus. Non, mais un auteur qui est acteur qui et qui travaille son texte tous les soirs sur scène, est-ce qu'il a envie d'y retoucher? Alors bon, parfois, je suis assez... Il y a des choses... C'est plutôt dans la manière, dans la langue que je change, pas dans le fond. Mais je pense que je ne le réécrirai pas parce que maintenant, j'écris cette chose sur qu'est-ce que c'est la séparation, qu'est-ce que c'est la rupture, sur la colère... Maintenant, je suis partie dans d'autres choses. Voilà. La vie évolue, vos textes, ils sont taillés pour un moment donné, et puis ils partent. Alors, un dernier mot sur le décor, la mise en scène. Ça se passe dans un petit jardin. Oui. C'est bucolique, c'est vert, il y a une petite maison. On imagine bien qu'on est à Uccle ou dans le sud de Bruxelles, quelque part. C'est un milieu bourgeois, c'est ça que vous avez voulu? C'est un milieu aussi où, apparemment, tout est contrôlé, tout est tenu, tout est lisse. C'est Wisteria Lane de Desperate Old Wives. Voilà, c'est ça. Et en même temps, quelque chose échappe. La violence est là aussi dans ce milieu de contrôle. Elle a un peu control freak quand même. Et je ne sais pas si c'est tellement le côté bourgeois. Oui, elle a un côté bourgeois. Elle a un côté bourgeois parce que la famille qu'elle a présentée, c'est vraiment le père, la mère, le beau métier, la belle voiture et tout voilà. Ça. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose de profondément sauvage chez cette femme qui va... Au fur et à mesure se révéler, le décor va craquer aussi. Voilà. Et comme dans Desperate Housewives, derrière les belles façades et les jardins bien entretenus, on peut parfois sortir les couteaux au propre, au figuré, et la fin est assez terrible. Je ne vous dis pas la fin, mais je vous dis qu'elle est assez terrible. On est heureuse qu'elle arrive au théâtre et pas dans la vie. Merci beaucoup Geneviève Dama. Ça commence ce soir. On vous dit le mot de Cambronne pour ce soir? Oui, je prends. Et on peut vous voir jusqu'au 14 février. Donc c'est pendant un mois, c'est au théâtre Le Public, Geneviève Dama, La solitude du mammouth. Merci beaucoup. Merci à vous.